ce soir nous écoutent et sont évidemment dans la peine après l'incendie de Sportica. 18e journée de Betclic Elite, la première des matchs retour. Et c'est un derby des Pays de la Loire entre Cholet-en-Blanc et Le Mans. Sarthe Basket dans son maillot noir. Ça commence par Aléoup. Comment débuter un match de la meilleure manière? Exactement, et là c'est pas fait au hasard. Hein. Le système derrière, ça amène des rebonds qu'on a vu pour Salin, ça amène des choses pour les coéquipiers. Et le compte de Nils Sacco. Et voilà le premier panier pour les Manceaux. Très bien suivi là. C'est pour son équipe physique, c'est pas le plus grand, mais il est très fort au sol. Et puis il a des bonnes mains, on l'a vu là. Oh, Nils Sacco, tout seul dessous. Oh, bien joué Schwartz qui vient de perdre la balle. Et là ça va finir au dunk pour Ayayi. Gérald Ayayi à deux mains. Oh, il a éclaté William Staras. Il l'a attendu. Il l'a défié du regard. On va le revoir. Regardez, il l'attend. Il l'attend. Allez, viens voir ici si tu veux. C'est pas son premier rebond offensif. Hein. On va vérifier ça, mais... Jacobel qui trouve Nils Sacco. Ouais. Et de retour dans ce deuxième carton. On passe dans l'eau pour Tijen Salin. Ouais, bien joué Salin. Jusqu'à Gérald Ayayi. Ouais, il peut les mettre, avec Delors, il a parié sur le contraire. Ouais. C'est pour ça que je trouvais bizarre qu'ils ne soient pas sur le terrain pendant 5 minutes tout à l'heure. Vous avez raison, après il y a une histoire de garder les autres en confiance. Il y a une histoire de le préserver pour les instants importants. Et Lewis qui vient de se lever là. Près de nous, et il a mis une bonne filoche. Ça fait du bien à l'équipe là, qui les ramène à 11 points. 2 sur 5 pour Matt Lewis à 3 points. Simon Le Mans a besoin de trouver aussi. Et encore cette action. Oh, c'est pas vrai, Nils Sacco. Alors Le Mans a vraiment scellé quand même de la fin de deuxième carton. Parce qu'il y avait 45-40, c'était serré. Tijen Salin sur la ressortie de Nils Sacco. Filoche. Jones qui est passé devant Salin, la passe ligne de fond et Mabourbé qui conclut. La grande balle sur Tijen Salin. Oh, Tijen Salin, alors, si ça rentre, alors c'est fou. C'est fou, il a envoyé Tyrone de la Thibaudière. Et on voit là le jeune de Souza qui défend très bien sur Hodgkin. Tijen Salin qui a failli intercepter, mais comme il n'a que failli. Vous avez trop demandé aussi Fred, vous êtes trop gourmand. Ah, je n'ai pas demandé 10 euros quand même. Ah ouais, mais bon, il y a une différence entre 20 millions d'euros et 10 euros. Johnson, le alley-oop, il est conclu du bout des doigts par Selom Mawoukbe. Allez, là, c'est Yegete qui a fait l'effort, qui était partout et qui doit continuer son action. Beau shoot, Nkessi, dos panier. Allez, pas simple pour... Jeans qui ne retrouve pas. Wilfried Yegete, la contre-attaque est déjà parti avec De Souza. Après, difficile de détrôner une équipe comme Monaco, mais... Bon service pour Yegete. Ouais, c'est très bien joué encore une fois. C'est Jones qui a amené cette balle. Les pieds dans ceux de Jeans. De Betclic Elite qui se poursuivra demain. Balle, ça va pas faire les affaires des Manceaux là, problème de démarquage. Et Rouban avec la faute. On était avec Rouban qui va avoir l'occasion dans cette partie s'il met son lancer franc. Qui va aussi participer à la fête, lui qui n'avait pas encore marqué. Alors on souhaite pas de mal au MSB, mais journée de Noël, devant une mairie, un guichet fermé, ils ont envie d'aller au 100 points. Mais c'était fou qu'on a vu là. Mais qu'est-ce qu'il était haut. Ça fait pas forcément leur affaire cette faute, même si ils vont bénéficier sur TJ Campbell. Ils ont réussi à freiner l'attaque des Chautais. Il reste plus que 13 secondes pour dégainer un tir. Très grande dalle, c'est claqué, accompagné, aidé comme vous voulez par Emmanuel Ezekwesi. On le verra samedi, All-Star Game. Il pourrait se régaler au niveau des passes. Hein. Voltec Rouban, ouf. Mabourbé qui était arrivé de nulle part. Sacco qui s'apprête à rentrer. Qui jette ça dans l'extra passe. Très grande dalle. Au buzzer. Bravo Salin, parce que honnêtement, il aurait pu le prendre ce tir. Mais il en aura encore croqué. Il en aura encore croqué 10. Hein. On a pris combien? 10 tirs à 10 fois, l'animal. Hein. Hey, il est incroyable, on l'a 9, dit. 19, il 9, en fera 10. Un peu plus de 12 par match, vous vous rendez compte, c'est énorme. Et là, il va quasiment le faire encore. Qui manque. Le record de la saison ne devrait pas tomber. Et rester dans les mains des Monégasques avec 116 points.
inscrit contre Rohan. Ah non. Ayaï qui prend le rebond, qui va remettre. Ça va se terminer là. Ça va se terminer là. 111-96. La démonstration des Choletais pour le record offensif de la saison. Ils iront gagner les deux derbies